Partenaire attitré de Natacha Saint-Pierre au sein de Danse avec les Stars cette saison, Anthony Colette ne semble pas encore avoir enterré la hache de guerre avec Inès Reg, comme le prouve son attitude lors du prime diffusé vendredi 5 avril 2024 sur TF1. Droit d'auteur Gwendoline Le Goff panoramique best image en bref Anthony Colette est le partenaire de Natacha Saint-Pierre depuis le lancement dans la nouvelle saison de Danse avec les Stars sur TF1. Anthony Colette s'est retrouvé impliqué dans le clash survenu entre sa partenaire de danse et l'humoriste Inès Reg. Le danseur ne semble pas encore prêt à mettre un terme à cette histoire, si l'on en juge par son attitude lors du prime diffusé vendredi 5 avril 2024. La nouvelle saison de Danse avec les Stars s'est poursuivie vendredi 5 avril 2024 sur TF1. Ce jour-là, un nouveau participant a été éliminé au terme du programme. Après Caroline Margeridon, Cœur de Pirate, Diane Ler et Christina Cordula, une nouvelle femme a dû quitter DAL 2024. En effet, Adeline Toniouti n'a pas convaincu le public de la sauver cette semaine. Ce nouveau prime de Danse avec les Stars fut aussi marqué par l'absence d'Inès Reg en fin d'émission. Je vous explique, Inès Reg s'est senti un tout petit peu pas bien en loge. Tout va bien. Elle est en train de se rafraîchir, de prendre un petit peu l'air. On lui donne un petit peu d'eau pétillante et ça va aller. Elle sera de retour avec nous, je vous rassure. Tout va très très bien, a indiqué Camille Combal sur le plateau de DAL 2024. Inès Reg a fait un gros malaise sur le plateau de DAL 2024 cette semaine. En fait, elle a fait un gros malaise. Elle va mieux. Mais, pas suffisamment pour que j'estime qu'elle soit capable de revenir sur le plateau ce soir. Et donc j'ai dû prendre cette décision contre sa volonté pour lui permettre, j'espère, d'être en forme pour les prochaines semaines, a ensuite expliqué Gilles, le médecin de DAL 2024. Étant donné qu'un candidat peut ne pas être soumis au vote du public une fois dans l'aventure, comme le stipule le règlement de DAL 2024, les votes des téléspectateurs de TF1 pour Inès Reg ont été annulés. L'humoriste reste donc encore en compétition. Avant de quitter précipitamment le parquet de Danse avec les Stars, la comédienne a néanmoins pu se produire sur scène avec son partenaire Christophe Licata. Anthony Colette refuse de se lever après la prestation de l'humoriste sur le parquet à la fin de sa prestation, l'attitude d'Anthony Colette n'est pas passée inaperçue. Toujours remonté contre Inès Reg suite à son clash avec Natacha Saint-Pierre, le danseur a choisi de ne pas se lever pour saluer la performance de l'humoriste. Anthony Colette avait déjà adopté le même comportement lors du précédent prime de DAL 2024. Le danseur semble donc encore loin d'avoir enterré la hache de guerre avec Inès Reg. Pour rappel, Anthony Colette avait déposé une main courante contre la comédienne, tout comme Natacha Saint-Pierre. Les deux partenaires souhaitaient ainsi se protéger après les menaces dont ils auraient été la cible en provenance d'Inès Reg et de son entourage. I just